C'est pratique parce qu'on peut ranger ce qui est sec dedans, on peut ranger ce qui est mouillé, la viande, le fromage. C'est extraordinaire parce que là, toute la nourriture, elle tient sur... Et encore, j'ai pris de la place sur deux, sur trois étagères. Les produits qui sont emballés dans du cello frais, ou pire, c'est du polystyrène, ça c'est le pire, du plastique. Avec la chaleur dans les magasins, par exemple, avec les lumières, ça chauffe le plastique qui va se mettre dans les ailes. Il faut que les gens ils comprennent que d'utiliser moins d'emballage, ben, c'est bénéfique pour la planète. Comme je disais tout à l'heure, c'est bénéfique pour le porte-monnaie, c'est bénéfique pour la santé et c'est pour préparer un monde meilleur pour nos enfants de demain. Le zéro déchet, c'est essayer de faire le moins de déchets possible. Et pour pas polluer la terre. Après aussi, on achète des choses en vrac et du coup, après, ça pollue moins. En vrac, on trouve beaucoup de produits bio. Donc, on n'achète plus non plus de produits qui sont industriels. Quand on y va toutes les semaines, ça nous saoule un petit peu, donc on n'y va pas tout le temps.